toutes et à tous, il y a quelques jours, je vous ai expliqué comment créer un tableau chez Zohr. Pour rappel, Zohr est une société belge spécialisée dans le tirage photo sur support. Si vous souhaitez voir ou revoir cette vidéo, je vous invite à cliquer ci-dessus. Donc, j'ai reçu mon colis après une quinzaine de jours après avoir passé ma commande. À vrai dire, à l'arrivée du paquet, j'ai été un peu inquiet. Je vous laisse regarder un peu ces photos. Le paquet était un peu abîmé, sans être non plus défoncé. Je préconiserais au niveau de la société Zohr de renforcer un petit peu leur paquet. Dans le cadre de ma commande, ça s'est bien passé, hein, mais je pense que ça doit arriver que le paquet soit complètement défoncé, car le carton est un petit peu léger, on va dire. En ouvrant le paquet, j'étais un peu plus rassuré, hein, des protections mouches protégeaient de part et d'autre mon tableau en plexiglas. Le tableau en plexiglas est recouvert d'un petit film plastique à enlever. Une fois retiré, vous allez découvrir votre œuvre. Les couleurs sont vives et ressortent assez bien. Et le rapport qualité-prix chez Zohr est au rendez-vous. Le petit bémol que je mettrais, mais vu le prix, il ne faut pas trop en demander non plus. Contrairement à d'autres de ses concurrents, il n'y a pas de système d'accrochage dédié. Il y a juste, on peut prendre l'option avec des petits sticks à coller. Mais les sticks, je fais pas trop confiance, car si vous avez des meubles un petit peu de valeur, ça peut arriver que malheureusement le tableau se décroche et vient abîmer un de vos meubles. Donc au lieu de mettre des petits sticks, moi je vous conseille de trouver le magasin de bricolage près de chez vous et de trouver des systèmes d'accroche rapides à venir à installer au dos de votre tableau. À part ça, rien à reprocher à Zohr. Je tenais ici à remercier la société Zohr de m'avoir offert un bon d'achat pour tester leurs produits. Donc merci encore à eux. Je vous remercie de l'attention que vous aurez portée à ma vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!